Entamée il y a maintenant un an, la démarche prospective BM 2050 s'achève ce vendredi euh, par une journée de restitution au hangar 14. Une journée donc que vous pourrez suivre euh, sur TV7 toute la soirée euh, demain. Et pour comprendre de quoi il s'agit, Jacques Mongon est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc euh, vice-président euh, de euh, Bordeaux Métropole en charge donc de BM 2050, également euh, maire de Saint-Médard-en-Jalles. Alors BM 2050, on l'a dit, c'est euh, une grande consultation autour de la métropole de demain. Comment est-ce que ça se Déroulé, racontez-nous un peu ce qui s'est passé pendant cette année. Alors, beaucoup de choses. BM 2050, ça a été un foisonnement, n'est-ce pas Et tout le pari qu'on avait fait consistait à dire qu'on allait dépasser le champ ordinaire des gens qu'on concerte pour faire des réflexions prospectives. Mmh. Et donc là, on a utilisé beaucoup de domaines différents des enquêtes IFOP, un Serious Game, auquel plus de 40 000 personnes ont participé, avec un mélange de choses provocatrices et puis aussi d'idées sérieuses pour l'avenir. Et puis aussi beaucoup de sollicitations d'experts, de gens ordinaires, avec toute une série de, de, de grands contributeurs, qu'il s'agisse d'entreprises, d'universitaires, sciences politiques, l'ISBA, le CAGE, euh, bref, tous les, tous, tous les grands partenaires de l'université à qui on a confié des missions, qui ont réfléchi par eux-mêmes, qui nous ont apporté des scénarios. Et puis en plus de ça, on a eu des réflexions avec à la fois au Bassin Flot, la maison du projet, dans laquelle on a reçu beaucoup d'interventions courtes, de présentations, d'experts, de gens qui avaient des choses à dire, près de 250. On a eu des contributions en tous sens. Et on a fait des débats avec des acteurs locaux. Et aussi, on a terminé ce cycle très long très fouillé, mmh. euh, avec des grandes conférences où, au cours desquelles on invitait des grands spécialistes d'envergure nationale. Donc tout ce mélange qui a été très productif avec en même temps, euh, sur le terrain, dans les communes de la métropole, des concertations, le camion du futur qui oui. a circulé à la rencontre de la population, euh, ça a été un foisonnement très important, tout à fait à la hauteur de ce qu'on espérait, hein, sans trop savoir si on réussira à le faire. Près de 60 000 personnes ont contribué. Et donc euh, tout ça, on va Restituer demain. Demain, c'est une journée de restitution, à la fois sous la forme de présentation oui. hein, euh, très didactique, faite par les uns, les autres, euh, l'école le, 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 euh, d'architecture, aussi bien que Sciences Po et d'autres, et puis en même temps des formes ludiques et aussi des débats. Alors, vous, quel bilan est-ce que, euh, parce qu'on imagine que vous avez donc euh, déjà hein, une petite idée de ce qui va se, se dire euh, demain, hein, des, des conclusions de cette euh, grande enquête, quel bilan est-ce que vous en tirez finalement Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez Quels sont les les thèmes euh, qui ressortent principalement euh, qu Qu'est-ce qu que les gens attendent, finalement, de l'agglomération euh, du futur, qui n'est pas si loin Puisque 2050, euh, c'est n'est pas si longtemps que ça. Alors, il euh, y a quelques conclusions générales. Euh, D'abord, ça a intéressé les gens. La preuve, il oui. y a eu une large participation. Deuxièmement, les gens ont un regard plus positif qu'on ne peut l'imaginer sur l'avenir, plus confiant qu'on mmh. qu ne peut l'imaginer, même s'ils expriment des craintes, notamment sur les questions un peu de la liberté, hein, parce qu'on voit bien que le monde très technique vers lequel on va peut, peut, peut amener des craintes sur les libertés individuelles. Il euh, y a quand même malgré tout une relative forme de, de, de confiance et d'intérêt pour la chose publique. Ce qui a été très surprenant, ça a été par exemple très, très agréable à constater, ça a été euh, une véritable manifestation l'intelligence collective. Il faut dire que si on avait pris des précautions pour que vraiment les gens puissent s'exprimer librement, ça on l'a fortement ressenti. Une conscience assez aiguë quand même des, des, des questions climatiques, ça n'est pas tellement oui. pour surprendre mais enfin c'est vraiment partagé à tous égards. Et donc de tout ça on va essayer d'en sortir demain des scénarios, quatre grands scénarios, quatre grands scénarios pour, pour l'avenir, entre lesquels il faudra choisir, ce sera le rôle des politiques. Et par exemple, une notion qui est apparue très clairement, c'est que dans ces temps de défiance pour la politique, on aurait pu penser que ça allait ressortir. En fait, ce qui apparaît le plus, c'est plutôt le contraire, une, une volonté qu'un grand projet politique fort émerge à l'échelle de la métropole, les gens bien identifiés qu'il en avait eu un pour Bordeaux. Et je pense qu'aujourd'hui, il, il y a un désir qui en est un aussi pour la métropole. Et il y a aussi de la même manière, euh, on sent bien que dans les questions de gouvernance, euh, voilà, il y a des inadéquations qui se manifestent entre le temps de la société qui est de plus en plus rapide, le temps de l'économie de plus en plus rapide, et le temps administratif qui a tendance à euh, parfois se ralentir un peu. Il y a un hiatus qu'il va falloir résoudre et il va falloir nous-mêmes nous, nous mettre en question. Donc c'est un peu tout ça qu'on présentera demain, avec aussi, n'oublions pas, aussi des, des formes de présentation ludique. Beaucoup euh, d'étudiants, de lycéens et d'élèves qui, plus de 1700, seront présents, qui ont participé eux-mêmes, qui ont contribué, qui ont répondu. Et on montrera ce qu'ils ont fait là. Et aussi euh, des formes qui font des, une large place à l'art, puisqu'on aura euh, du théâtre avec euh, des, 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 des formes un peu provocatrices, euh, du cinéma. Et aussi pour, clore, pour conclure la soirée après tous les débats qu'il y aura eu, tout au long de la journée, avec un tas d'intervenants très intéressants. Euh, on aura aussi une bataille de piano, euh, avec euh, sur le modèle de ce qu'on fait à, à Royaume. Qui viendra conclure un peu par euh, l'art et la musique euh, toute cette réflexion. Mais... Une, une journée très riche, donc on pourra suivre demain sur, voilà. sur TV7. entre... Euh, Il faut venir, on s'en ira pas. Il y en aura pas oui, Et puis c'est ouvert euh, au grand public. Voilà. Peut-être une question sur euh, justement la concertation en elle-même. Souvent, ce que les gens reprochent euh, à ce genre d'exercice, de, euh, c'est que les politiques n'en tiennent pas compte après. Est-ce que vous allez vraiment en tenir compte de, de ces réflexions qui sont sorties ou... À quoi ça va servir Comment ouais. est-ce que vous allez donner ouais, vie à, à ces idées Finalement, euh, le fait d'avoir lancé cette démarche BM 2050, et il faut vraiment en, en remercier Alain Juppé qui a fait ce pari-là, euh, de le lancer, c'était euh, plutôt une démarche d'humilité. C'était l'idée de dire aujourd'hui tout va pas trop mal, mais on accepte de se remettre en cause, d'ouvrir le débat très largement. Ouais. Et la volonté, c'était d'aller, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, vraiment au-devant du grand public, pour faire émerger à la fois des attentes, comprendre aussi les peurs, et puis euh, dans ce grand remue-ménage qui est apparu, euh, tenter d'identifier de, des solutions nouvelles. On ne fait pas un an de concertation pour simplement se contenter de reproduire ce qu'on a toujours fait. Donc l'idée est qu'émergent des pratiques nouvelles, à la fois dans la façon dont les politiques auront à traiter avec les citoyens, dans le mode de réflexion et aussi dans les solutions. Merci beaucoup Jacques Mangon. On rappelle donc Merci. que ça se passe demain au Hangar 14, donc ce vendredi, toute la journée. Une grande journée de restitution de cette démarche prospective, donc BM 2050. Merci à vous d'être venu Merci. nous en parler et on pourra suivre cette journée à partir de 18h demain en direct sur TV7 et vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.